Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser ensemble un cake que vous pouvez consommer pour le goûter ou même pour le petit déjeuner. Donc c'est un cake à base de bananes, plus connu sous le nom de banana bread. Donc on va commencer. Restez avec moi. N'oubliez pas de liker et de partager et de commenter la vidéo avant toute chose. On commence par ici, par les bananes. Alors ici, nous aurons besoin de 4 bananes. Ici, j'en ai mis que 3. J'en ai gardé une pour la décoration qu'on mettra à la fin. Donc ici, j'ai 3 bananes que je vais venir donc écraser à l'aide d'une fourchette. Alors ici, j'ai 100 g de beurre qui est à température ambiante. Donc c'est du beurre mou. Je rajoute ici 120 g de sucre. Alors ici, c'est du sucre complet que vous pouvez remplacer soit par de la cassonade, soit par du sucre blanc. On vient mélanger donc le beurre et le sucre ensemble jusqu'à obtention d'une pommade. Je vais ajouter 2 œufs et je continue à mélanger le tout ensemble. J'ajoute maintenant mes 3 bananes écrasées. Et je mélange le tout ensemble. Ici, j'ai 170 g de farine et j'ai ajouté également un sachet de levure chimique. Donc, je viens les ajouter sur ma préparation. Et pour un petit peu de gourmandise, je rajoute ici 130 g de pépites de chocolat. Et je mélange le tout ensemble.
Ici, j'ai un moule à cake donc, que vous pouvez beurrer ou soit chemiser de papier cuisson comme ici une feuille de cuisson. Et je vais venir donc verser dedans ma pâte à gâteau. Ici donc j'ai la quatrième banane que j'avais réservée donc pour la décoration. Donc je la découpe comme ceci en deux et je viens donc la placer au-dessus de mon gâteau. Alors vous pouvez l'enfourner tout de suite. Moi je vais rajouter un tout petit peu de sucre roux à la vanille. Je saupoudre avec un petit peu mon gâteau. Et ensuite, j'enfourne donc mon cake dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée entre 45 et 50 minutes. Et voici le résultat final de notre cake. On obtient un délicieux cake bien moelleux, bien gourmand et bien caramélisé. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisse la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations, ainsi que des liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïlis.